Le week-end a commencé. Des petits déj au soleil. Complètement réel comme un complètement réel. Un jour j'ai nagé avec une raie. Tellement probable.
Si vous voulez mettre votre logement sur Airbnb, mais que vous... Chez notre sœur Yvette Gomati, le meilleur péril de la capitale, elle fait ça moins cher. Les périls de la journée, mon bien. Peut-être tout à l'heure, je vais venir là-bas. Hein. Yvette, si je prends la ligne 4, si je prends la ligne 4, j'avais vu que ça part déjà chez toi là-bas. Hein. Je descends où? Vous venez chez toi. Parce que, bah oui, c'est mieux de ça. Moi, j'aime m'asseoir, je n'aime pas tout rester, changer. C'est pour ça que parfois j'ai envie de venir là-bas. J'ai besoin d'une nouvelle perruque. Je vais aller séduire par Didier. Je te fais la publicité, non, Marco? On va jouer comme d'habitude, non? Belle perruque, c'est vrai. Elle fait les belles perruques. En plus, elle met les confections chez elle. Donc, voilà. Partenaire officiel, veuve joyeuse. Donc, voilà. Comme je vous ai annoncé, Yvette Gomati viendra sur notre guest dimanche 30. Dimanche 30, c'est un dimanche exceptionnel parce que je serai à Carcassonne. Mais je pense que je vais prendre le billet. Soit je rentre samedi, soit dimanche matin très tôt pour Paris. Il faut que j'arrive ici avant 15h. J'espère que ça se passera bien cette fois-ci. Mais notre émission est maintenue dimanche. Dimanche 30, on va continuer à parler des veuves. Bon, vous savez, mon émission aussi est basée beaucoup plus pour les veuves, pour que les veuves viennent un peu s'exprimer, un peu pour dire leur désarroi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, que les veuves aussi peuvent venir. C'est dans l'anonymat, hein. Moi je ne vous connais pas, je ne peux pas vous donner mon téléphone après pour demander l'argent, hein. Vous savez, moi c'est juste une émission pour nous les veuves, pour notre ressenti, et j'invite aussi celles qui sont au Cameroun, si elles ont la connexion, de s'exprimer aussi dans notre émission, parce que c'est pour les veuves. Après, j'ai envie de faire une petite conversation des veuves. Quand il y a une soirée, qu'on passe la soirée du 30 là, les veuves viennent avec moi, nous aussi, on peut s'asseoir l'abondance aussi entre nous, les veuves. Merci. Donc, vous voyez, non. Donc, voilà. On ne peut pas faire autrement. On est veuves, on est veuves. Hein. Malheureusement, moi, je suis la plus pauvre des veuves, la malheureuse des veuves. Bon. On accepte mon statut. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, j'aimerais que dorénavant, les veuves vont me contacter, on va faire les petites conventions, on peut faire un restaurant, on se voit, on salue, on se voit, chaque personne donne son point de vue, ce qu'il faut changer, et tout ça. On peut même faire une association des veuves pour le changement de certaines choses. Donc voilà, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de veuves cachées que vous ne connaissez pas. Hein. Attention. Il y a beaucoup de veuves cachées, il y a certains qui sont veuves, il y a certains qui étaient veuves, qui se sont remariées, et quelle était leur expérience, vous voyez un peu. Aujourd'hui, on cuisine les œufs au plat. C'est ce que je vais manger aujourd'hui. Parce que hier, j'ai mangé trop. Donc, je vais manger un peu léger. Mais les œufs au plat, à ma façon. Revisiter by wireless. C'est ce qu'on mange aujourd'hui. Donc, comme par exemple la soirée de Benzignala, si c'était que j'avais déjà fait cette association depuis, on allait être deux ou trois ou quatre ou six filles. On allait partir. Si veuve, on allait partir, on allait prendre notre place. Les veuves là-bas, on écrit veuve. On s'assoit là-bas, on passe une bonne soirée, on mange, on boit, on passe une bonne soirée, on danse. Bon, ça c'est... Après, c'est qu'il y a plein de veuves qui sont malheureuses, qui sont seules dans leur coin, qui n'ont pas d'amis, qui sont isolées. Donc, si moi, je peux créer ça pour les veuves, pour moi, c'est une bonne chose. Parce qu'il n'y a rien pour les veuves. On parle des veuves, c'est soit veuves heureuses, soit les veuves tueuses, soit les veuves empoisonneuses. C'est là que nous, on nous connaît. En dehors de ça, on ne connaît pas. Donc, ce que je vais manger aujourd'hui. Donc, il n'a même pas appelé aujourd'hui. Elle est chez la nounou. À l'occasion de l'inauguration de son bagne, le 30 avril 2023, de 19h à l'aube, en 5 avenue Henri Bergson, 92 600, Assigneur-sur-Seine, l'association des Maisons-Mères Paris organise une soirée caritative sur invitation. Tenue traditionnelle conseillée. Le prince Yazoub Bézinia, père fondateur des associations des Maisons-Mères. Madame Larissa Petnga Kanda, présidente des Maisons-Mères Paris. Monsieur Tchalé Adolphe, président du comité des sages. Madame Foussou Liliane, secrétaire générale. Monsieur Yamsi Augustin, trésorier général. Madame Caroline Boukop, présidente de comité. Les membres d'honneur des Maisons-Mères Paris. Léopold Moyou. Mon vœu Virginie Moucha. Mon vœu Karine Claire Mtolo.
Les invités prestige, Macabo, MC Augustin, Hubert Tiana, la reine-mère, Mauve Alice Ngassa. La présence des représentants des chefs supérieurs des 13 villages d'Undé sur la place parisienne. La présence des reines-mères d'Undé sur la place parisienne. Avec les artistes Benzinia et autres, ainsi que la participation des associations dans la région parisienne. Au platine, Didier Magellan, MC, Narcisse Takam, photocaméra, Brice Mbatio. Invité d'honneur, le couple Prisiamout, en collaboration avec Les Maisons Mères Paris, Les Maisons Mères Douala, Les Maisons Mères Yaoundé, Les Maisons Mères Baganté, Les Maisons Mères Mougo. Voilà. Et ce soir, il y a des restaurants aussi. Vous avez fait la publicité. Moi, comme je vous ai dit, chez la Vouvoie, c'est gratuit pour l'instant. Moi, je ne peux pas payer. Mais c'est, il y a un contrepartie. Je... Donc, voilà, parce que ce n'est pas aussi facile. Hein. Donc, voilà. Il y a des restaurants, le QG. Il a créé un restaurant qui s'appelle le QG Musique à Live de 12h à minuit. Oh, donc c'est de 12h à minuit. Hein. Mais déjà fait quoi ici? Benzi, viens me chercher, je viens là-bas. Yeah. Les ambiances que moi j'aime souvent, hein. Parce que j'aime sortir comme ça, là, je sors de 12h jusqu'à minuit, c'est quand je rentre, fais mon ingérante. Ouais, les bonnes ambiances. Dans le tournoi de plus jeune musique à l'air, de 12h à minuit. Voilà. De 12h à minuit, donc voilà. L'adresse, c'est où? L'adresse c'est c'est le QG Lounge Restaurant. L'email c'est le QG Lounge 3@gmail.com. Numéro de téléphone pour passer les commandes là-bas, c'est le 06 25 89 72 33. C'est au 127 boulevard de Chancy, 93 100 Montreuil. Donc voilà ce que je vois. Donc si vous voulez passer les commandes, nous tu là-bas pouvez passer les commandes parce que c'est d'abord on mange bien. Le chef exécutif de cette ambiance au QG c'est Ben Zinia. Ben Zinia 06 25 89 72 23 127 boulevard de Chancy 93 100 Montreuil. Donc en plus c'est pas très loin. Donc voilà, il y a l'ambiance là-bas. Hein. On m'envoie des vidéos, il y a l'ambiance. Hein. Comment tu dis? Meuf, en fait, tu n'aimes pas tous les milieux africains, donc tu n'aimes pas trop de gens à y aller. Si? N'est pas chantant. Non, mais parce que ça m'étouffe, c'est un peu. Ça m'étouffe un peu chaque fois, quoi. C'est pas que je ne veux pas y aller. J'aime parce qu'il y a des gens après. Surtout, j'aime pas les regards parce que les Africains te regardent. Surtout les femmes là, leurs copines là te regardent comme si tu étais. C'est la haine. Pourtant, il y a des gens qui te détestent parce que tu les as bloqués à Facebook. Il y a ça, les gens que tu as bloqués à Facebook. Il y a ceux qui te détestent parce que tu parles mal des banquiers. Il y a ceux qui te détestent parce qu'elles ne t'aiment pas. Donc, il y a un peu de tout, quoi. Donc, moi, je n'aime pas ce genre d'ambiance. Donc, les gens sont assez. Donc. Mais bon. Comment que c'est parfois moi, c'est à rien que je ne peux pas mettre dans ce genre d'endroit. Parce que c'est. Au total, une heure de temps après, je vais m'ennuyer, quoi. Je vais m'ennuyer parce que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes visages, c'est les embrassages hypocrites. Vous voyez un peu le style. Les embrassages hypocrites, les gens font ça dans les témoins. La même joyeuse, la même joyeuse. Alors que personne ne t'aime. Tu vois un peu, donc. Et puis, tu vois les regards des gens, les gens te regardent comme si tu étais une bête sauvage. Tu vois un peu, les gens te regardent. Hein, donc, c'est la seule aussi qui est à Facebook, qui gonde à Facebook. Tu vois un peu. Et vous savez que les Camerounais ont une sale bouche, donc, avec la. Non, mais moi j'aime bien rester dans les endroits où je ne suis pas connu, quoi. Parce qu'avec eux là, c'est. Non seulement tu vas venir te voir que tu les offres à boire.
Et en plus, c'est elle qui t'insulte. Hein. Donc, vous voyez un peu. Ça, c'est les œufs au plat revisité. Ah, ah, bien, on a un bon bonjour. Je vous apprends à cuisiner les œufs au plat by Warriors. Donc, moi, j'aime bien manger. La publicité, tu sais que tu fais la publicité pour les autres. Peut-être qu'il y a certains gens qui s'ennuient qui vont partir là-bas. Hein. Donc voilà. Voilà, je mange les autres plats. Oh, que je chauffe du coup. Mais c'est bien, il faut y aller. Hein, pour... En plus, c'est bien de 12h à minuit, donc ça va. Hein. Donc peut-être que moi, je vais faire un tour là-bas tout à l'heure. Si c'est la musique en live, moi, ça me va. C'est pas pour moi, les trucs africains. Les soirées, oui. Dans les soirées, oui. Les soirées, je peux rester jusqu'à 3 ou 4h quand ça, c'est bien, mais après, je rentre chez moi, quoi. Tes filles, bah. Ça ne change pas aussi de passer une heure avec ses compatriotes. Hein. Bye. Je mange simple cet après-midi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, notre soirée, j'organise ça avec Bézinha. Parce que je serai là-bas avec ma tenue traditionnelle et calme. Est-ce que c'est ça? Je suis invitée surprise. De l'inauguration de son bagne le 30 avril 2023 de 19h à l'aube au 5 avenue Henri Bergson 92 600 à Signières-sur-Seine, l'association Les Maisons Mères Paris organise une soirée caritative sur invitation. Tenue traditionnelle conseillée, le prince Yazoub Bézinha, père fondateur des associations Les Maisons Mères. Madame Larissa Petnga Kanda, présidente Les Maisons Mères Paris. Monsieur Tchalé Adolphe, président du comité des sages. Madame Foussou Liliane, secrétaire général. Monsieur Yamsi Augustin, trésorier général. Madame Caroline Boukop, présidente de comité. Les membres d'honneur, les Maisons Mères Paris. Léopold Moyou, Monveu Virginie Noucha, Monveu Karine Claire Ntolo. Les invités prestige, Macabo, Yamsi Augustin, Hubert Tchana. La reine-mère, Manve Alice Ngassa. La présence des représentants des chefs supérieurs des 13 villages d'Undé sur la place parisienne. La présence des reines-mères d'Undé sur la place parisienne. Avec les artistes Bézinha et autres, ainsi que la participation des associations dans la région parisienne. Au platine, DJ Magellan, MC,
Narcisse Takam, photocaméra Brice Mbatio. Invité d'honneur, le couple Prisiamout. En collaboration avec des maisons mères Paris, des maisons mères Douala, des maisons mères Yaoundé, des maisons mères Baganté, des maisons mères Mougo. Voilà. Des eaux plats by Warriors. Pardon, non, ça sort, ça non. Ah, attends. Je pense que ça m'a cassé les dents tout à l'heure. Oh, ouais, venez m'aider. Quand on parle de fraîche, on peut l'inviter. Hé, tu ne connais pas les dés, hein. Peut-être qu'elle va venir, elle va faire l'invitation surprise. Mais pourquoi? Si elle veut venir, elle vient, non? Est-ce qu'on a interdit quelqu'un de venir là-bas? Est-ce que on a été, c'est une fête, c'est une soirée caricative. C'est sur l'invitation. Si elle ne t'invite pas, tu vas venir faire quoi? Tu n'entres pas. Si quelqu'un de la tontine t'invite. Trop bon. Une petite gousse d'ail. Une petite gousse d'ail. Oignon. Un peu de sel. Un peu de cube. Et c'est bon. Ça fait un bon repas. Avec une bonne bière, le tout est joué. Bon, va dédier à vous. Ok. Mais il faut manger. Il y avait quelqu'un parti au combat de le ventre vide. Facebook, c'est le combat. Hein. Malheureusement, ça condamne aussi beaucoup de gens. Quand on partait au pays avec nos gars dans les grands restaurants, on nous mettait d'une appel.
An F2. Galaxy IQ core. Nouveau sérum Hydra Végétal, à l'édulis de nos champs bio. Senteur d'hydratation non-stop, Yves Rocher. Il y a d'excellentes affaires à saisir actuellement sur Kayak. Découvrez une sélection de nos meilleures offres de vol. Je sais que moi je l'aime. Le type, c'est moi, on n'est pas trop amis. Je n'aime même jamais ces musiques, donc je vais essayer d'écrire. Je n'ai aucun doigt. J'ai un Onambele, bonjour. Comment va Tobias Onambele? Donc, vous croyez que je ne vous vois pas, que là, vous me regardez dans le noir, là. Quelqu'un peut écrire ça dans cette vidéo. Bon, quand je réussis, j'écris encore. Je n'ai voilà, maintenant parce que on va là, je suis à Douala, même quand je mange, je sais pas grave. Qu'est-ce qu'on s'accorde? Na bosinde wa mbale
Je finis mon direct, je vais vous dire comment ça se passe. Merci. On part d'abord chez notre. Mais la belle vie, vivez pour vous. Après, on va aller pourrir, dis donc. Vous allez vous construire des immeubles. Bah oui, il faut bien avoir un certain confort, oui, mais pas. Pensez aussi à vous, à vous nourrir bien. Hein. M'en vais, je parle de Bendika. Moi, j'aime pas Bendika. Appelez-moi David et toi ici. Le karma existe, hein? Le karma. Elles sont nombreuses là. Je vous le pas. Le karma existe. Fabrice, Béatrice,
va fermer tes yeux chez toi. Tu attends, non. Quand on ne vous appelle pas quelque part, ne venez pas faire vos choses là. Hmm? Tu entends? Va fermer tes yeux chez toi. Ici, c'est Facebook, tout est permis. En plus, on est vendredi. Ne fais pas que je te bloque. Soit tu cries doucement, soit tu insultes derrière, tu pars. Vous êtes les bienfaisants de Facebook. C'est vous. Quand les blancs font pour eux là-bas, vous partez loin. Quand le noir fait sa part, vous êtes indiens. Bande de porcs, je me bappe. Bonsoir les Warriors. Déjà bon vendredi. Moi, on ne va pas en guerre quand on est en ventre vide. Voilà. Moi, je ne suis pas en guerre avec qui que ce soit, mais je veux dire, j'ai vu une vidéo qui m'a touché tout à l'heure à TikTok. David Eto disait que, oh, depuis que mon père est mort, il n'y a personne qui passe même nous dit bonjour ici. Il n'y a même personne qui passe. La barrière est ouverte, que les gens entrent, personne n'entre. C'est pour que je veux te dire une chose, David. Tu étais le premier ici quand Céline est morte. Tu es parti t'asseoir dans son restaurant. C'était très bien de ta part. Mais il faut faire attention. Le monde des Camerounais, parce que tu fais partie de la diaspora, même si tu vis au Cameroun, parce que tu passes ton temps ici en Europe. Je veux te dire une chose. Moi, je suis ici à Facebook. Il y a quelques gens, la plupart des gens qui ont partagé, mais moi, je n'ai pas partagé. Bon, j'ai mes raisons. Mm-hmm. Bon, la plupart des gens qui ont partagé le visa de ton papa, il y a peut-être, elles ne sont pas nombreuses à avoir partagé. Hein. J'ai regardé toute la bande de 17e là. Ils sont ici amis avec moi. J'ai regardé leur compte. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu tes amis de 17e parler même de ça, même dans leur forum, même quelque part. Il faut comprendre que la vie est comme ça. Fais le dette de ton père, tu l'enterres. C'est ce que je dis souvent, que ne crois pas que tout le monde a la chance que quand eux ils meurent, les gens se mettent à rang. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour du deuil, vu la popularité de ton frère, il y aura du monde. Mais ça te prend de leçons que dans la vie, ne croyez pas que ce que vous pouvez faire pour les autres vous le feront un jour, bien vous le rendront un jour. Et moi, ça m'a touché. Parce que tu es actif dans les réseaux sociaux, tu postes tes trucs, tu as beaucoup de choses. Mais là, c'est quand même bizarre. Tu as ouvert les portes de ta maison, que même les gens viennent, il n'y a personne qui vient. Toi-même, tu t'es indigné. Donc, moi, je suis encore toutes mes condoléances. Mais il faut savoir que dans la vie, c'est comme ça. Quand tu fais quelque chose, fais-le. Mais ne compte pas sur les gens. En tout cas. Mais il faut. C'est maintenant que tu vas savoir qui a Facebook. Il y a le 17e et il y a le Cameroun. Oui. Parce que depuis que ton frère ne donne plus à manger et à boire au 17e, tu crois que. Maman. C'est le vent, la politique. Facebook, c'est la politique de vente. Mais pas Facebook. Le 17e, là, c'est la politique du vente. Oui. Je suis étonné que depuis que je vois même pas un groupe, depuis que Céline est morte là, je ne vois plus qu'il passe à soi là-bas, il dit que moi, voici au 17e, je viens encourager les enfants. Non, maintenant, on va manger au Focus. Oui. Alors que là-bas, on mangeait dans le bon. Tu vois un peu. Dans la vie, c'est comme ça. Je ne vois plus de filles qui quittaient souvent ici. Oh, elles se filmaient là-bas chez la doyenne. Je ne vois plus personne. Le monde est comme ça. C'est pour ça que moi, je vous dis, préparez vos morts étant vivants. Oui. Préparez vos morts étant vivants. Et dites que quand quelque chose arrive dans votre famille, vous serez le seul à résoudre ce problème-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont venir derrière et dire que la veuve joyeuse, vraiment quelque chose qui va arriver. Oui, ils vont le faire. Mais il faut d'abord compter sur soi. Oui, parce que ce n'est pas toi que ton père meurt. Tu ouvres ta barrière aux gens, même les voisins, même les gens qui viennent. Personne ne vient. Et quand tu viens, il y a te plaindre dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que ça t'a fait mal. En tout cas, ce qui me concerne, ça t'apprendra que ça te prenne de leçon que quand aussi pour les autres aussi auront pour eux. Toi, si tu n'y vas pas, tu ne vas pas aussi faire l'engouement. On appelle ça effet de groupe. Effet de groupe. Vous croyez que les gens qui sont ici après, quelqu'un d'autre va mourir là même de la diaspora. Vous croyez que ça va faire l'engouement de là, de ça? Non. Il y a les dés de match vu, les gens qui sont contents parce qu'ils avaient les cannelles, ils avaient leur nom dans les crédits là-bas. Ils étaient contents d'aller là-bas. Tu vois un peu? Comment j'avais parlé même pour sa cagnotte là? On dit que les gens ont cotisé. Je suis désolé. Les gens qui ont cotisé, ce sont les gens, les tontines qui ont cotisé. Oui.
Les gens ont cotisé, oui, il y a eu une cagnotte, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui a cotisé, non. C'était uniquement pour les tontines. Ce sont les tontines qui ont cotisé là-bas. Parce que je connais les gens qui font des tontines à Paris. Donc, vraiment, mon frère, paix à son, à l'âme de ton père, mais parfois, mieux se taire et regarder. Et après le deuil, maintenant, tu vas dire ce que tu penses aux Camerounais et à la diaspora. Parce que, quand je parle souvent ici, que vous ne comprenez pas, il y a des gens qui sont là pour le match vu à Facebook. Le match vu va nous tuer ici. Et le tuyau et la boisson gratuite va nous tuer ici. C'est pour ça que moi, je ne me mélange plus avec eux. Si j'ai le temps, je dis que, ah, mon petit frère Benzin a ouvert une petite chose là-bas. Si je m'ennuie ici, je prends mon City Go ici, je vais me chercher ici. Je m'en vais boire un vin là-bas. Pour le faire, je suis une petite recette. Je reste une heure de temps là-bas. Après, ou bien je prends même le train. J'arrive là-bas, mon train, ce n'est pas très loin d'ici. C'est vers, vous savez quoi là-bas. Vers Saint-Denis, je crois. Je pars, je bois mon vin, je fais un peu, je donne un peu la chaleur au corps. Après, je rentre. Parce que tu as dit que même le soir, il y a les deuils, personne ne vient. Tu vois, les gens, ils sont comme ça. Tout ça, pourquoi? Parce que votre monde, vous avez choisi de 17e. L'hypocrisie de ça. Maintenant, là, il n'est pas même plus là-bas. Tu sais, là où il partait manger, maintenant, c'est chez Maman Gourou. Ils sont maintenant assis là-bas chez les Ivoiriens. C'est là-bas, c'est là devenu leur bureau. Ils n'ont pas pu s'asseoir chez Céline là-bas. Là, c'est marrant, hein. Quand on parle ici, en fait, vous dites que vous avez ce machin, la déteste. J'en ai rien à foutre de vous. Mais moi, je réponds. On dit que quand quelqu'un vient nous tuer dans les réseaux sociaux, on a le droit et même l'obligation même de parler et de dénoncer. Voilà ce que je dis. Donc, tu dois comprendre que depuis que ton frère n'arrose plus le 17e, depuis que ton frère ne donne plus l'argent aux gens, depuis que toi-même, tu n'as même d'abord rien, depuis que toi-même, tu ne donnes plus le champagne aux gens, qui va venir? On vous aime seulement uniquement quand il y a l'argent. C'est tout. Il faut comprendre comme ça. Les gens suivent les gens parce qu'ils ont l'argent. Dès que tu fermes un peu le robinet, eux aussi, ils ne sont plus avec toi. Eux aussi, ils ne sont plus avec toi. Tu te retrouves seul. Donc, vraiment dommage. Le fait que tu as fait ce constat là, mais malheureusement le monde est comme ça. Donc mon petit frère, va enterrer papa tranquillement et après tu viens résoudre tes problèmes avec les gens qui ne viennent pas attendre. Parce qu'il y a combien, non, on parle du papa de ton fils. Vous êtes toujours comme si c'est à Facebook. Tu veux dire que mamie Soko Wesley, tu veux dire que depuis là que tu n'es pas au courant, on en parle que le papa de ton fils est mort. Vous aimez que tu amènes les choses derrière qui est mort. C'est ça. Quand il y a quelque chose, tu vas comment tout le monde court. Couillant. Ça devient déjà comme la fête. Si toi, tu n'es pas par leur sens, oh, tu es mauvaise. On ne veut qui? Moi, je suis libre de moi-même. Je suis libre d'aller où je veux. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas là dans l'engouement des gens là que fait ceci. Personne ne me commande parce que je vois qu'il n'y a que Dieu. Après Dieu, c'est la veuve joyeuse. C'est tout. Le reste là, je ne vous vois pas. Oui. Dans la vie, c'est comme ça, il faut faire attention. Oui. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a des gens ici, comme si je me mange ou. Même si je peux me réveiller le jour avec ma robe, tu es venu chercher quoi ici? Ouais, c'est une vieille vidéo qu'il a faite dont son papa est mort il y a un an. Vous êtes toujours comme ça. Hein? Donc, il parle. Tu dis que c'est une vieille vidéo. Explique-nous, Anita Choukou, vous êtes toujours comme ça. Hein? Il parle de quel deuil alors? Il dit que voici la maison venait. Il parle de quel deuil. Donc son papa est mort il y a un an. Donc c'est une vieille vidéo. Sa maman est morte. Ou peut-être que sa maman est morte. Sa maman aussi est morte. Ou son père est mort. Je ne sais pas la chose. Si c'est une vieille vidéo, oui, mais ça se comprend. Et pourquoi ça ressort maintenant alors? Parce que moi j'ai dit qu'il a dit qu'il y a deuil, il n'y a personne qui vient parce que la maison qui est ouverte. Moi, je sais que le seul deuil qui parle, c'est le deuil de son père. Maintenant toi tu viens que c'est une vieille vidéo. Ils sont, je dis que hein, vous êtes toujours comme ça. Quelqu'un fait sa vidéo, il dit que voilà, j'ai deuil, mon papa est mort. La vidéo est là. Il a deux pères. Maintenant, c'est une vieille vidéo. Tu l'as vu il y a au moins un an. Moi, je ne l'ai pas vu. Pourquoi ça ressort? Moi, je sais qu'il vient de faire la vidéo là. C'est tout. Tu l'as vu où là? Tu l'as vu où? À TikTok. Moi, je l'ai trouvé à TikTok tout à l'heure. Donc, il a deux pères. Il a deux pères. Il parle de quoi dans la vidéo? Il a deux pères. Il a perdu qui depuis jusqu'à il dit qu'il a ouvert ses portes, personne ne vient au deuil. Il a perdu qui comme moi je ne suis pas au courant ici. C'est une vieille vidéo. Il parlait de quoi? Ne venez pas me contredire.
Moi, je parle de ce que j'ai vu. Il a perdu qui il y a un an. Parce qu'il dit que venez, il y a des voici alors le day, personne ne vient et tout. Je dis que tu me dis que c'était une vieille vidéo. D'accord, c'est une vieille vidéo. Qui est alors mort dans sa famille il y a un an. Parce que là, il parle du day, que j'ai day, personne ne vient ici. Et tout ça, ils ont eu quel day que moi je ne suis pas au courant il y a un an. Il parle de quelle vidéo alors? Il parle de quel day? Vu que là, la vidéo la coïncide avec le day de son papa. Vous venez me dire que c'est une vieille vidéo. Il est mort il y a un an. Il faut me dire. Peut-être disons que oui. Peut-être l'hypothèse que oui, c'est une vieille vidéo, mais qui est mort il y a un an à David Eto'o et que je suis ici, je ne suis pas au courant. Bon, laissez ça, dis donc. Il a dit que qui est mort à David Eto'o il y a un an. Dites-moi un peu. Il a perdu qui il y a un an. Ah! Quelqu'un dit qu'il a deux, je viens de perdre mon papa, il n'y a personne. Voilà les gens. Il dit même que c'est demain, il y a la veillée et tout ça. Ah, ça y est, chaque amour, ce qu'il a mis. Et les gens lui ont dit que c'est une vieille vidéo. Oui, mais attends, disons que bon, c'est une vieille vidéo, ok. Bon, il a alors perdu quoi? Qui? Il a un an. Il a perdu qui de sa famille que nous, on n'est pas au courant, il y a un an. Je veux savoir pourquoi. Et pour, si vous, ça, on dit que les gens disent que c'est une vieille vidéo. D'accord. Il a alors perdu qui? Son beau papa, sa belle maman, il y a un an. Sa mère, son père, il y a un an. Bon, dites-moi. Vu que ce sont les gens qui sont connus, que même quand ils pètent, nous on sent c'est ici à Facebook. Donc, la vidéo, donc, c'est une vidéo qu'il a fait il y a un an. D'accord. Et pourquoi c'est. Et il a perdu alors qu'il y a un an. Voilà la vie à Ike. Vous êtes toujours comme ça en train de chercher. De... Maman, quelqu'un fait sa vidéo, il est indigné que mon père est mort. Il ne voit personne, les barrières sont là. Je ne vois personne. Alors, dites-moi, alors, il a fait ça. Là. Il a fait ça il y a un an. D'accord, on est d'accord. Hein? C'était le Sagra, mais de l'année dernière. Hein? Il faut dire comme ça. Moi, j'étais pas au courant. Ah. Ok. Mais ça tombe bien. C'est ce que je dis. Même le deuil de Sagra, mais il y a un an. Il s'est dit pourquoi? Parce qu'il n'y a eu personne. Donc, ça tombe pareil. C'est pareil. Même si père Sagra, les gens devaient quand même venir lui dire que mes condoléances. Alors, c'est quand même les écoles du pays, non? Ça tombe bien. C'est pareil. Que ça soit sa grand-mère ou son père, c'est pareil. Les gens doivent partir les soutenir. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais on n'a pas soutenu. Abimté. Oh. Bon. Vous savez que moi, j'ai fini de manger. Mais vous savez que le karma existe toujours, hein. Le karma, est-ce qu'Aïcha Kama est folle de. Est-ce qu'elle est folle de venir parler des choses comme ça? Bon, tout ce que les gens aiment aussi le buzz, mais bon. Donc Aïcha Kama est resté comme ça là. Hein? Mais je pars à Kakasson la semaine prochaine. Je veux sortir là, je veux aller. Je veux donner le truc. Je veux faire la lumière chez moi. Moi, j'ai voulu faire ça hier. Je ne suis pas arrivé. Ah. Je vais mettre ça dans mon sac là. Tout à l'heure là, après, je vais aller. Faut pas que j'oublie. Je vais aller dans le petit gars de là-bas. Ils vont m'arranger mon truc. J'ai dit que le soutien est très important dans un deuil. Vous comprenez, non? Mais il y a certains deuils qui. Je ne soutiens rien du tout. Mais bon. Moi, je n'aime pas d'abord même parler des choses des gens. J'ai seulement parlé aussi parce que j'ai vu une vidéo pour dire que même si c'était sa grand-mère, que ça soit sa grand-mère, que ça soit son père ou son grand-père, on a tous besoin de soutien moral, surtout de nos amis. Je veux peut-être mon gars, comme ça, j'avais dit que venez aussi, mais. Ah, les gens vont venir, même si c'est pas... Les gens vont venir. Le soutien, c'est très important, mais bon. Mais c'est déjà devenu un peu le sectarien, non. Moi, je ne vais pas chez elle, je ne vais pas la soutenir parce que machin a fait ceci, parce que machin a fait ceci, vous voyez un peu. C'est un peu ça, quoi.
Donc voilà. Bon, et voilà, vous savez que passez vos commandes chez Yvette Ngomati. C'est la petite robe que je porte ici. Ça fait 2 ans que je l'ai, mais bon, on fait ça en 2020. Hein. Moi, j'ai, je sais garder les choses. C'est elle qui vend des petites. Je crois même qu'elle vend encore des petites robes aussi, je ne sais pas. Allez chez Yvette Ngomati là-bas, il y a les. Chez Yvette Ngomati là-bas, il y a les petites perruques. Elle me confectionne les petites perruques à bas prix. À bas prix. Vous comprenez, non? Donc, allez-y chez Yvette Ngomati. Bas prix. Vous allez acheter les perruques, il fait la recette. Mmh. Tout le monde a besoin de soutien. Et tous les gens qui veulent que je leur fasse la publicité dans ma page, ils m'envoient déjà leurs marchandises, les vidéos qui vont avec. Et puis, on s'arrange derrière. C'est tout. Donc, voilà. Et pour finir, n'oubliez pas la soirée de Benzinga. Qui se déroule le 30. Le 30. Donc voilà ça. Nous sommes réunis le 30 avril 2023, de 19h à l'aube, au sein de la 30 avril. Bergson, 92 000 francs. Attendez, je vais vous donner tout ça. Pattern Medium. Connected to Galaxy IQ4. Penel conseille. À l'occasion de l'inauguration de son bagne, le 30 avril 2023, de 19h à l'aube, au 5 avenue Henri Bergson, 92 600 à Signières-sur-Seine, l'association des Maisons Mères Paris organise une soirée caritative sur invitation. Tenue traditionnelle conseillée. Le prince Jazou Bézinia, père fondateur des associations des Maisons Mères. Madame Larissa Petnga Kanda, présidente des Maisons Mères Paris. Monsieur Tchalé Adolphe, président du comité des sages. Madame Foussou Liliane, secrétaire générale. Monsieur Yamsi Augustin, trésorier général. Madame Caroline Boukop, présidente de comité. Les membres d'honneur des Maisons Mères Paris. Léopold Moyou, mon vœu Virginie Moucha, mon vœu Karine Claire Ntolo. Les invités prestiges, Macabo, Yamsi Augustin, Hubert Tiana, la reine-mère, Manve Alice Ngassa. La présence des représentants des chefs supérieurs des 13 villages d'Undé sur la place parisienne. La présence des reines-mères d'Undé sur la place parisienne. Avec les artistes Benzinga et autres, ainsi que la participation des associations dans la région parisienne. Au platine, Didier Magellan, MC, Narcisse Takam, photocaméra, Brice Mbatiou. Invité d'honneur, le couple Prisiamote, en collaboration avec des Maisons Mères Paris, des Maisons Mères Douala, des Maisons Mères Yaoundé, des Maisons Mères Baganté, des Maisons Mères Mougo. Voilà. Donc n'oubliez pas le grand rendez-vous du 30 avril 19h à l'aube. Donc voilà. Moi, je ferai un tour là-bas. Donc je n'ai pas le choix. Je vais faire un petit tour, mais je ne reste pas longtemps. Donc, je vais vous embrasser et puis on se revoit tout à l'heure. Vous savez que comme j'ai fini de manger, quand j'ai fini de manger comme ça, et après, moi je vais dormir. Je sors tout à l'heure, j'ai des choses à faire. Je crois, il va peut-être aller sur Paris. J'ai un truc à faire. Je vais voir comment ça va se passer. Je vais peut-être aller sur Paris tout à l'heure. Et puis, bah, je vais faire un tour à la défense. Je cherche quelque chose à la défense. J'ai un produit là qu'il me faut. On peut attirer moi la défense, je vais aller à la pharmacie de la défense. Il faut que j'ai acheté ça tout de suite. Bon, mais Warriors, on est ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire la fête aujourd'hui comme d'habitude. On va toujours improviser, on va trouver un sujet qui est important. On va rigoler, on va danser. On va faire notre petite fête comme d'habitude. Donc, voilà. Sur ce, passez un agréable après-midi. Et à tout à l'heure. Le deuil est bien de soutenir le deuil. Mais sachez que vos choses là, moi, ne vous joyeuse, moi je parle parce qu'il faut parler. Moi, ici à Paris, pour me voir dans un deuil, ça va relever dans. Moi je passe, on a les deuils, hein. Parce que quand j'arrive, je pars dans les deuils, il n'y a pas de problème. Hein. Je pars dans les deuils. Je soutiens même beaucoup. Quand je pars dans les deuils, je laisse au moins 100 euros. Avant, il laissait 200-250 euros dans les deuils. Oui. Non, je n'ai pas dans les deuils. Quand je n'ai pas autour, je laisse 50 euros. Et quand je n'ai rien, je laisse 20 euros. Donc, moi, je montre quand même mon petit soutien, quoi.
voyez un peu, c'est ça. Mais moi, c'est pas obligé, quoi. C'est pas obligé que personne fait ce qu'il veut comme il veut. Donc, voilà. Je voulais parce que je voulais aussi vous dire là, mais bon, je vais penser ça après. Bon, je vous laisse. Merci pour notre conversation. Nous sommes ensemble. À tout à l'heure. Bisous. N'oubliez pas d'aller faire un tour chez Yvette Gomatipe. Hein? N'oubliez pas d'aller faire un tour chez Yvette Gomatipe. Donc, c'est-à-dire que chez Yvette Gomatipe. Chez Yvette Gomatipe, vous avez les perruques là-bas. Vous confectionnez les perruques. Vous faites les choses moins chères et tout. Moi, même si j'ai le temps, il est à quelle heure là? Il est à 14h24. Donc, moi-même, je pense que je vais aller. Je vais sortir un peu vers 15h là. Si j'ai le temps, je vais aller rendre visite. Si j'ai le temps, je vais rendre visite. Si je n'ai pas le temps. Donc, voilà. On verra quoi. Le ramadan, c'est le cas aujourd'hui. Hein? Ouais, on peut éviter de manger le mouton. Oui. Donc voilà, je vous embrasse tout à l'heure. Hein. On va faire la fête comme il faut. Bisous, bisous, bisous.